Je me présente, Steve Brisebois, cofondateur de Flash Formation et partenaire avec Martin dans la compagnie Flash Formation. Flash Formation, ça part de où? En 2011, sur l'écriture d'un livre. Donc, on a nécessairement écrit le livre sur les phénomènes thermiques de l'incendie de bâtiment. Et l'élément majeur qui a fait qu'aujourd'hui, on veut le changement, on veut nécessairement qu'il y ait une tournure au niveau des tactiques de combat incendie et qu'il y ait une connaissance au niveau des tactiques de combat incendie, c'est en 2012, le 21 mai exactement. Dans la nuit du 21 mai au 22 mai, à 1h30 exactement, il m'est arrivé un incident majeur. J'ai été brûlé à 67% du corps, 16% au niveau des voies respiratoires. Le phénomène qui s'est passé, c'est un flash fire. C'est le même phénomène qu'en 2006 où on a un pompier qui est décédé, donc le capitaine Marleau. Est-ce que j'étais au courant du phénomène? Oui, j'étais au courant du phénomène. Je savais que le phénomène existait. Je savais c'était quoi le phénomène. Parce que le phénomène du flash fire, malheureusement, on ne peut pas le prévoir. Par contre, il faut être équipé en conséquence. Il faut savoir réagir quand le phénomène survient. Et c'est ce que la compagnie Flash Formation, on enseigne. C'est qu'est-ce que Flash Formation, on veut inculquer. Donc, c'est la sécurité quand il arrive un phénomène. On veut savoir qu'est-ce qu'on fait et de reconnaître le phénomène. Et c'est là qu'on a mis en place notre programme Combat Incendie Optimisation qui, dans le fond, contient 7 formations. Tous des blocs de 6 ou 7 heures qui sont faisables, si on veut, pour les services d'incendie en une journée. Donc, les services d'incendie peuvent s'inscrire de façon annuelle ou biannuelle à des blocs de formation pour passer à travers l'ensemble du programme. Au niveau du changement, on a été plusieurs années à croire, à penser que certaines tactiques étaient de la bonne façon. Et puis aujourd'hui, on sait qu'on travaillait probablement de la bonne façon, mais aujourd'hui, avec les nouveaux matériaux, avec l'avenir des matériaux synthétiques, on comprend beaucoup plus le cheminement de l'incendie, la propagation de l'incendie. Mais surtout, on a changé notre façon de faire au niveau de l'intervention, grâce justement aux enseignements de Flash Formation et de leur équipe. Évidemment, tout ça ne se fait pas sans heurte. Il y a des petits changements. L'être humain, parfois, est réfractaire au changement. Mais à force d'expliquer scientifiquement de quelle façon ça se produit, puis de faire des tests, et que les gens sont vraiment mis à contribution devant une intervention réelle, bien, ça a changé beaucoup de choses. La gestion du changement, ça se fait d'une seule façon, c'est avec beaucoup de leadership. Le leadership, on peut en parler beaucoup. Beaucoup de gens qui ont suivi des cours, qui ont suivi des conférences. Et je pense qu'il y a peu de gens qui savent réellement c'est quoi le vrai leadership. Puis si on veut faire le changement des méthodes de travail, autant en intervention, si on veut devenir sécuritaire, si on veut devenir plus performant, ça passe par un moyen qui est essentiel, c'est le leadership. Ça va prendre des gens qui ont beaucoup d'influence, qui ont beaucoup de courage, qui croient en leurs idées, qui travaillent en équipe. Mais tout ça, il y a des gens qui l'ont en eux. Mais on ne leur a jamais montré comment travailler avec ça et comment le développer. Puis ça ne fera pas juste aider les organisations sur la façon de combattre les incendies. Ça va être bon aussi dans leur gestion de leur service, qui est de plus en plus complexe. On l'admettra, les lois sont plus complexes, les nouvelles générations demandent d'être gérées de façon différente, mais ça prend des gens qui ont énormément d'ouverture et de leadership pour réaliser leurs objectifs. Ce que Flash Formation offre aujourd'hui,
c'est de comprendre de façon scientifique et très rationnelle c'est quoi un incendie, comment on peut intervenir rapidement, mais aussi sécuritairement. Puis c'est ça l'équilibre qui est important. Puis moi, je vous fais une prédiction, là, un jour, que ce soit au Québec ou au Canada, bien, les méthodes de flash, bien, c'est ce qui va être préconisé partout. Parce qu'on la voit, la tendance, il s'agit juste de battre la résistance, mais ça s'en vient à moyen ou à long terme.